Alors j'ai un logo là, c'est Ubi, SMB, Reboot, ouais, vas-y lance. On vous met, hop là. Un billet de Ganondorf. Parce que j'ai des logos bleu, hein, le truc bleu et rouge, non c'est pas ça. Non c'est pas ça, je connais pas les logos. Et on est parti sur Smashville du coup, un petit terrain. Donc un petit terrain, ça veut dire que Ganondorf peut bien venir te casser la gueule, que je peux pas trop rester loin. Mais Billet aussi a un sacré power. Et il a le range, et ça a changé. Et oui, le projectif. La semaine dernière au Melt, Pomme qui avait counterpick Samus contre le Ganondorf aussi. Et ça, et le oh là là, le Shinbreak déjà. Ça prend sa stop. Et voilà, mais on avait dit le full power et le. Ah ouais. Le full power de Billet, c'est pour pas déconner avec ça. Les deux persos sont capables vraiment d'exploser leur adversaire. Tout à fait. Du coup, c'est déjà une stock de retard pour Obsidian qui cherche son jeu à base de bait and punish, mais il ne trouve pas, il se fait punir ses approches. Pareil pour son side B. C'est le truc avec Ganondorf, c'est que si tu peux le maintenir à distance avec n'importe quoi, des projectiles, des épées, des lances, enfin avec Billet, il y a tout, il faut vraiment le faire. Parce que. Parce qu'il vient d'esquiver ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est s'approcher, voilà, et ouais, il passe son épée pour Obsidian. Ça tente le ledge pop avec le Dandy là, Dandy anniversaire. Une bonne idée, mais un peu trop tôt. Oh là là, mais c'est face de bait qu'il a fait. Ah, ouais, c'était fou. Flèche cancel, et ça conditionne, et derrière il lève smash et ça tue. C'est le sort qui est vraiment très chaud. Largement sur ce début de game. Ah, ouais, tout à fait. Il est vraiment très très chaud. Il a du mal à vraiment à atteindre son adversaire, et là, ouais. Faut pas se déconcentrer, faut rester dedans. C'est vrai que des fois aussi il a un peu du mal à rester focus, le même problème que moi. C'est limite du plus 2, ouais bah. Ouais, le shield break à nouveau. Déjà shield break 3 stops du coup. Ça tue. Ouais, 3 stops. Ah, ça tue pas. Un Ganondorf quand même pour aller. Ouais, je pensais que ça tue, ouais. C'est juste... On a tenté les. On a tenté la petite douille au B. Oh, ça y est. Ça c'est du Obsidian ça. Ça c'est la spéciale Oxy. Hein. Le perso qui correspond bien à son. Ah ouais, Oxydion a parfaitement trouvé son perso. Il fait des grands baits, des grandes. Il faut pas se laisser avoir parce que ouais, Ganondorf a encore quelques rides comme ça. Ah ouais, mais Ganondorf ça peut reverse une game facilement. Là, on est dans une phase difficile. Ouais, ça tue. Ouais, pour le Ganon, combien de MU sont pas négatifs pour Ganon? Bah en fait, Ganon ça peut un peu... En fait, ça dépend vraiment pas que du match-up, genre... Ça peut dépendre des joueurs aussi, Ganon, ça peut vraiment bouger n'importe quoi. Mais ouais, mais c'est bien fouillé, ça marche quand ton adversaire est moins fort. Ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Il reste concentré comme c'est fort, là, il joue sur sa portée, sur tous les outils pour maintenir Ganon à distance. Ouais, tu peux rien faire. Quand tu sais jouer comme Ganon, de toute façon, Ganon ne peut pas faire grand chose. Mais quand tu connais pas, Ganon il peut vraiment te bouiller, peu importe ton perso. Quand tu connais Ganon, c'est fini pour lui, c'est ça, c'est exactement ça. Après, Billet n'est pas un perso très rapide, donc si aussi arrive avec les contre-attaques de cette forme, il pourrait rendre. Le logo, mais c'est lequel le logo du coup? C'est lequel le logo? C'est le logo bleu? J'ai un logo bleu et rouge, je sais pas si c'est ça. Si vous avez la réponse. Je ne sais pas du tout ce que c'est le logo de Yenti. On est parti sur BF. Ah, ça trouve le side B qui a pas été trouvé, un back air. Pour revenir, pour reset le neutral. Et cette fois, c'est Obsidian qui met la pression à l'edge, qui garde le stage control. Ah, c'est déjà qui leur met au stage, c'est très bien joué. Le up smash! Et voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est la spéciale aussi, là. Les up smash à l'edge, ouais. Vert, orange, rouge. Alors j'ai un truc, c'est vert orange, je sais pas si c'est ça, vous me dites si c'est ça. Si c'est pas ça, je l'enlèverai. Je vois pas mon lien. Ah pardon, on a pas cliqué sur le lien. Vas-y, clique. On va voir. Ah non, bah c'est pas celui-là alors. Je crois pas. Ah, c'est pas celui-là. Non, je crois pas qu'on l'ait le logo. On l'a pas le logo du YND, ouais, c'est pas grave, mais tout en haut. Et le up smash, il recommence up smash et il a réussi son une deuxième fois le up smash à l'edge. Il a très bien joué de la part d'Obsidian qui continue à mener. Voilà, il regagne les sacs avec son down B. Ouais, tout à fait, mais on est aussi à 4% du côté de Ganondorf sur CB qui va rater le down B qui rate également. Les joueurs qui n'arrivent pas trop à punir les options de l'adversaire. Et ce backer qui va prendre la snap. 82% déjà pour Billet. Ce backer qui va revenir instantanément avec son backer. Attention, on va pas se faire avoir avec ce smash à l'aide.
C'était très bien joué ce side B pour dire à Oxygen de s'en aller. Évidemment tu ne peux pas le punir quand c'est au bout comme ça. Oxygen, il l'a tenté. Ça pouvait se tenter, hein. Il a un peu d'avance, il avait pas grand chose à faire d'autre. En tout cas c'est bien aussi qui maintient cette Ford Alledge. Très très bien joué pour l'écarter de là. Attention à ce Dormir. On commence à faire le Dormir un peu pas visible, c'est ce Dormir qui va reset la game. Il va retourner la game pour le safe Ford exactement trop chaud. Ah ce Dormir. Oh là là, nerf. C'est pas lui ou c'est Dilette qu'on a en face là. Oh là là. Putain, on a cru que c'était terminé. Et c'est terminé effectivement. Aïe. J'ai pas mis les scores en plus, c'était trop fou. Ouais. Les gars, ça a été expédié. Je viens d'entendre les gars.